All right, listen. This guy can't fight you, knock him out. How do you feel? How do we wait to get in there? Give right? it everything I got. Now you may have to go the full 3 so don't punch yourself out. Don't lose your head. Pace myself. Yeah, they're, they're, you know, you don't hang back. It goes fast. Give it everything I got. Yeah, but still you want to pace yourself. You feel? Now your guy's been around. Don't let him get a good shot at you. He's a boozer. You know how these soldiers are. He won't go the limit. I don't care who he is, because ain't nobody getting past me. Because I'm gonna be the world's champ by the time I'm 18. Ain't he 18 now? Shit, he's only 15. Can you your fighter's only 15? Can we keep quiet about that Buford's Golden Gloves champion. You know, you don't fit the rules. Hope I didn't leave my fight in the bedroom. you hey, don't tell Ruben this, but I was out getting me a little last night. Hope I'm in I'm shape. Us too. But that don't make no difference. It don't matter if you're dead drunk. You got two hands, you can beat this dude. I don't care who he is. It's all in your mind. I hope so. Hoping never done nothing. It's wanting to do it. You gotta wanna win so bad you can taste it. If you wanna win bad enough, you win. There ain't no way in hell this dude's gonna beat me. Cause he's too old, I'm too fast, I'ma be all over him. I'm gonna kick his ass so bad every time he takes a bite of food tomorrow, he's gonna think of me. He's gonna know he's been in the fight, because I'ma hit him with everything. I'm not just gonna beat that mother. I'm gonna kill him. You wanna know what makes a good fighter? What's that? It's believing in yourself. The will to win. You wanna kick ass, you kick ass. Okay, right. You don't wanna kick ass, you wanna get your own ass Look. <sighs> Look, I wanna kick ass, don't worry about that. You gotta wanna kick ass so bad, they ain't no manager, trainer, peel that can do it for you. I want to kick ass as bad as you do. Well, then go going out there and kick ass. All right! First bot, Ernie Munger. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver après ce qui a été pour moi les vacances estivales. Je accueille aujourd'hui pour cette nouvelle émission Loïc Vacan, qui est professeur de sociologie à l'Université de Californie à Berkeley. Bonjour. Bonjour. Et je vous reçois pour un ouvrage que vous venez de faire paraître aux éditions La Découverte au label Dominique Carré Voyage au pays des boxeurs. Alors, c'est un livre qui vient faire écho à un précédent ouvrage que vous aviez publié il y a de cela 20 ans précisément, un livre qui a marqué hein, l'histoire de la sociologie, oui. Corps et Âme, carnet ethnographique d'un apprenti boxeur, tout est dans le sous-titre, ce livre. Il était issu d'une immersion au sens fort hein, du terme que vous aviez mené durant euh, trois années au sein d'un club de gym euh, de Chicago, euh, au sein d'un club de boxe euh, auquel, au sein duquel, voilà, vous vous étiez plongé, vous aviez entamé euh, une carrière de, de, de boxeur amateur qui avait même flirté avec euh, le professionnalisme à l'époque. Et donc euh, aujourd'hui, vous revenez là-dessus et euh, si j'ai choisi de vous recevoir, c'est pour parler de boxe bien sûr, mais aussi parce que euh, il me semble que ce voyage au pays des boxeurs, c'est une très belle façon de d'entrer sur la société américaine en général et des phénomènes qui la travaillent, comme la ségrégation urbaine, la domination raciale, le rôle de l'argent aussi et bien sûr de l'industrie du sport dans voilà le capitalisme américain contemporain. Euh, et euh, la première question que j'aimerais vous poser pour démarrer cet entretien, c'est justement de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à revenir alors que vous y aviez déjà euh, consacré un bon, ouvrage oui. à part entière oui. sur euh, cette expérience qui est une expérience voilà, qui euh, a été marquante pour la sociologie en général mais aussi pour vous en particulier, oui. vous le dites dès les premières pages du livre, hein, vous dites que ce sont trois des plus belles années de votre oui. vie et qu'aujourd'hui encore les relations que vous avez nouées à l'époque sont des relations qui, qui, qui continuent à compter pour vous et à vous réchauffer le cœur. Oui, oui les relations que j'ai gardées avec mes, mes potes de la salle de boxe. Euh, sont un peu comme des frères, un peu comme des frères d'armes. Euh, nous restons en contact, certains d'entre eux, euh, un contact étroit. Eux-mêmes sont en contact 30 ans après les uns avec les autres. Et euh, ils ont eu des, des trajectoires diverses et variées. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont restés attachés au gym. Euh, plusieurs d'entre eux sont moniteurs de, de boxe. D'autres passent tout leur temps libre euh, dans des salles de boxe. Ils ont maintenant euh, euh, la soixantaine. Et, euh, et, et ils sont restés. Euh, euh, Accroché accro 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 à ce milieu. Quand on a été boxeur, on reste toujours boxeur. C'est quelque chose que l'on est, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Alors, ce, ce livre, euh, il a une histoire singulière. J'avais toujours en tête de faire un second livre qui allait ouvrir la focale plus largement et, euh, et faire rentrer le, le lecteur. Dans l'intimité du combattant, euh, en mettant en arrière mon, ma propre expérience et en mettant en avant euh, une, une partie de mon enquête que je n'avais pas du tout exploitée, qui était 50 entre, entretiens approfondis avec des boxeurs professionnels euh, à l'été 1991 à Chicago. Et donc j'avais toujours en plan ce, 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 ce second livre, mais, mais j'ai été euh, stimulé. La... J'ai été contacté en fait par Dominique Carré, qui est un éditeur de, de beaux livres, de livres d'architecture, de, de, d'urbanisme, d'environnement, et qui m'a contacté en me proposant de faire un livre à partir de mes photos de boxe. Et, euh, ce qui m'a fait un peu ricaner en disant mais il n'y a pas du tout de quoi faire un livre là. Et j'étais absolument pas convaincu. Et il a insisté, insisté. je l'ai envoyé bouler pendant deux ans. Et puis finalement, je lui ai confié quelques photos et il a fait un, une maquette était tellement belle avec la, la graphiste-artiste Laurence Bitterly, qui est, que quand je l'ai vue, j'ai été bluffé mmh. et, par le travail qu'ils avaient fait. Et j'ai accepté de faire ce livre, mais qui à l'origine ne, ne devait être qu'un livre de photos. Et donc la deuxième, le deuxième développement qui n'était pas prévu, c'était que j'écrive un texte. Alors, Dominique Carré m'avait dit Écris-nous 5 à 6 feuillets pour introduire, pour introduire le livre. Et puis j'ai commencé à écrire, et puis c'est devenu 150 feuillets. Mmh. Et en fait, un, un livre, un texte complet, alors, le, qui a été écrit avec en tête les photos et, et, et le montage des photos. Et donc, c'est un texte qui a trois niveaux. Il y a un texte qu'on peut dire sociologique ou narratif, qui, qui, qui prend le lecteur et l'amène. Euh, étape par étape, euh, du quartier au gym, du gym au tournoi amateur et des tournois amateurs au, au galas professionnel. Il y a des encadrés qui offrent des points de vue sur divers aspects de, 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 ce, de ce sport ou de ce jeu ou de cette industrie, je ne sais jamais quel, quel mot employer, parce que la boxe, c'est les trois. C'est les, 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 les trois, c'est un, un jeu, c'est un sport, c'est un art du corps, et c'est aussi, euh, du côté professionnel, une industrie. Et puis le, la troisième. Euh, la troisième voix, en fait, c'est comme une chanson à trois voix, voilà. Mmh. Et, et la troisième voix, ce sont les verbatim des boxeurs, tirés de mes entretiens, qui accompagnent et qui, en quelque sorte, commentent ou font vivre les photos mmh. à côté desquelles ils sont disposés. Vous disiez que la boxe, c'est un sport, c'est un jeu, c'est une industrie. Vous dites aussi à plusieurs reprises dans le livre que vous, vous parlez de la boxe. Vous dites c'est le noble art. Oui. Qu'est-ce que c'est cette expression Je ne l'avais pas entendue. Alors, je... alors c'est une expression qui, qui vient de la fin du XIXe du 19e siècle, euh, qui, euh, par un journaliste de l'époque qui s'appelait Pierce Hagen, et qui avait euh, inventé cette expression. Et ça, ça a trait au fait que euh, quand la boxe est développée au 19e siècle, elle était euh, pratiquée par les nobles, mmh, euh, et ensuite elle s'est popularisée, elle est devenue un sport populaire, mais elle, elle a son origine dans, dans, dans les combats entre nobles. – D'accord. – Et, et c'était une manière aussi de, de lui donner cette appellation, c'était une manière de la valoriser, quand à la fin du 19 e siècle, s'est posé la question de, sa, de savoir si c'était légal ou non. – D'accord. – Et donc il fallait le, en quelque sorte la noblir, en lui donnant euh, ce nom. Un autre nom que, que la boxe a en anglais, c'est « the sweet science », la douce si science. La, et même la douce science de la frappe. Et là aussi, c'est un effort pour, pour donner de la, de la noblesse. Mm -hmm. Pour dire que la boxe n'est pas deux mecs qui se mettent sur, sur la gueule euh, oui. en se tapant un peu n'importe comment, mais qui a tout un savoir, toute une technique, toute une science. Et qu'il faut, pour l'acquérir, il faut des années mmh. d'apprentissage pour devenir un scientifique de la cogne. Et, et, et donc ça fait référence à cet aspect euh, euh, technique, mmh. à cet aspect euh, élaboré, à cet aspect. Euh, il y a aussi, avec, avec l'aspect technique de la boxe, il y a aussi tout un aspect moral. Mmh. On apprend non seulement des techniques, comment lancer un, crochet, un direct du gauche un crochet du droit et, 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 un, et un uppercut. Mais on apprend aussi les valeurs, les valeurs qui sont les valeurs du pugilisme et qui sont, qui sont résumées par cette notion indigène de sacrifice. Mmh. C'est la, la notion que les, que les boxeurs, les entraîneurs, sans cesse, insistent sur le fait qu'il faut sacrifier. C'est intéressant parce que vous parlez de sacrifice, ça fait penser à une forme de, de religiosité, vous mm -hmm. dites que c'est un art noble, il y a une science de la boxe, et, et, et j'entends tout ça, vous dites qu'il y a des valeurs aussi qui sont associées, et je me dis en même temps, alors c'est évidemment, là, je, je vous livre un sentiment un peu brutal que je mm -hmm. vous soumets aussi de manière un peu même provocante, mais... Mm -hmm. On se dit, est-ce que la boxe, c'est pas euh, d'abord et avant tout un sport de, de brut, en fait, mmh. euh, avec des types mmh. qui aiment donner des coups, d'autres mmh. qui aiment s'en prendre, et puis d'autres mmh. en plus qui aiment regarder des mmh. types se mettre les mmh. uns sur les autres. Enfin, il mmh. y a quelque chose d'un <laughs> peu sauvage là-dedans. Mmh. Euh, en vous entendant, j'ai le sentiment qu'au contraire, justement, euh, on n'est pas dans ce, enfin, on, spontanément, voilà, on peut y percevoir presque une forme de, un sport qui répond à des pulsions sadiques, comme mmh. masochistes, mmh. mais mmh. ça, 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 ça colle pas avec ce que vous me décrivez. Là. Alors, quand je disais, quand je disais à mes, à mes interviewés boxeurs que c'était la représentation commune qu'avait, qu les gens, ils disaient, l'un d'eux m'avait répondu. Les gens qui disent ça, ils ne connaissent rien à rien. Mets-le dans ton livre, Louis, mets-le dans ton livre. Dis-leur que ce sont des ignorants. Ouais. En fait, de, quand deux boxeurs se rencontrent, le jeu, c'est de toucher sans se faire toucher. Ouais. Et ensuite, il faut développer, il faut acquérir toute une technique pour lancer des coups proprement. Il faut acquérir toute une stratégie, toute une tactique. Euh, toute une, toute, tout, il faut acquérir des capacités morales et non pas seulement des capacités physiques. Et, et un combat, ce n'est pas euh, deux mecs qui se mettent euh, sur la gueule, justement, oui. comme ce serait le cas dans la rue. C'est un, un véritable art du corps euh, qu'eux-mêmes aiment à le, à le comparer avec, euh, euh, avec le, un jeu d'échecs. Mmh. Et l'idée, c'est d'amer le pion à son adversaire, de, de lancer son coup avant qu'il ne lance le sien, d'arriver à l'attirer à à dans, un, dans, un, dans un traquenard. Euh, de... Il y a aussi tout ouais. un jeu qui est un jeu de scène. Les boxeurs tiennent beaucoup au fait, les professionnels tiennent beaucoup au fait que euh, c'est un, un art de la scène. Ils, se voient, ils, se voient, ils font une comparaison avec les chanteurs, mmh. les danseurs, les guitaristes, euh, les, les, euh, le théâtre. Euh, même l'un d'eux compare les boxeurs à des trapézistes. Et donc c'est un art de la scène dans lequel on risque son corps et dans lequel on va obtenir de la gloire. Mmh

He wish he could get out of the whole thing. He wish he could get out of the whole thing. You can look at him. The man is fighting. He's meeting his master, his teacher, his idol, night. When I talk to work, I'm in shape. Et alors, qui, euh, qui fait de la boxe en fait aujourd'hui enfin, Quand je dis aujourd'hui, je parle surtout des, plutôt de moment où vous réalisez votre enquête, mmh. donc il y a quand même une trentaine d'années euh, aux États-Unis. Parce que vous me disiez qu'au départ, donc plutôt au 19e siècle, c'est ça, lorsque ce sport émerge, c'est quand même un, un noble art mmh. de la noblesse. Mais là, dans ce que, dans ce que vous, vous décrivez, on a plutôt l'impression que c'est justement un, un sport euh, bah, réservé, euh, en tout cas pratiquée majoritairement par mmh. les classes populaires et les classes populaires euh, noires. Euh, donc euh, comment est-ce qu'on peut décrire un petit peu, la, la... oui c'est ça, le profil, la composition sociologique de la plupart des, euh, des, euh, des pugilistes, des boxeurs ?– Alors, premier, premier facteur qui génère la vocation pugilistique, euh, la masculinité. Mmh, oui. Et il y a, y a une espèce de, de mouvement euh, osmotique entre la masculinité de la rue et la masculinité de la boxe. Alors, les valeurs masculines traditionnelles, c'est la dureté au mal, c'est l'indifférence au risque, c'est la suppression des émotions. Ce sont trois valeurs qui sont mises en valeur, justement, justement par la boxe. Deuxième facteur, c'est la classe, la classe d'origine, qui est, bah, ce sont des, des métiers du corps, qui sont en continuité avec les métiers ouvriers, mm -hmm. historiquement, et qui font appel à une conception instrumentaliste, de son, de son propre organisme mmh. qui est une conception que l'on acquiert quand, quand on euh, est élevé dans, dans les milieux populaires. Euh, le, le, le troisième élément c'est le quartier. Ah, oui. euh, les, les boxeurs viennent beaucoup de quartiers euh, de quartiers difficiles, euh, de quartiers dans lesquels il y a une culture de la rue euh, très développée et une culture de la rue qui est masculine dans laquelle justement on peut faire montre de ses de qualités. Et le dernier facteur, c'est le facteur ethnique, historiquement, les boxeurs proviennent d'ethnies de, ou de, de, de populations immigrées qui sont stigmatisées. et ce qui les attire dans la boxe, c'est que justement la boxe permet d'atteindre un honneur d'être. c'est un art du corps honorifique. où en montant sur le ring, en faisant montre de bravoure, en se soumettant à l'éthique la, à, à la, à du sacrifice, et eh bien on obtient l'admiration des des, du public, l'assentiment des pères, et on rentre dans une confrérie glorieuse. Le moindre petit boxeur de club euh, est associé par une espèce de longue chaîne de lettres mmh. avec les boxeurs les plus éminents, les plus illustres. On, 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 on partage quelque chose avec les Mohamed Ali, les Joe mmh. Lewis, les Rocky Graziano. De l'histoire de la boxe. Et alors, est-ce que c'est un sport Parce que peut-être c'est important de le préciser quand même, l'enquête que vous avez menée, euh, même si dans le, le, le club où vous êtes allé, hein, on rencontrait à la fois des amateurs et des professionnels, mmh. vous, ce qui a concentré quand même votre attention, c'est le monde de la boxe professionnelle. Euh, alors peut-être il faut, il faut commencer par euh, nous expliquer pour euh, les non-initiés oui. les différences qu'il peut y oui. avoir entre boxe pro et boxe amateur, pour oui. que ce soit oui, oui, clair oui, bien pour sûr. chacun. Ben, on peut dire que c'est pratiquement deux sports différents. C'est ce <laughs> ah, tellement différent que. Alors, quand on, quand on boxe euh, en amateur, on a des, des gants très rembourrés. Ouais. On boxe avec un casque pour protéger le visage et notamment les arcades sourcilières, parce que le casque, en fait, n'est pas fait pour amortir les coups, mais pour empêcher d'avoir des coupures. Euh, et, et le jeu est de toucher le plus possible son adversaire, mm -hmm. quelle que soit la force du coup. Donc, en quelque sorte, on joue à touche-touche. D'accord. Euh, et on fait trois rounds trois de rounds. trois minutes. Donc, c'est neuf minutes où on va essayer de lancer le plus de le coups plus de... possible et d'en prendre le moins possible. Quand on passe chez les professionnels, on n'a plus le casque, on, on, on combat avec les mains qui sont bandées de gauze à l'intérieur de gants qui sont beaucoup plus petits, donc les coups portent euh, infiniment plus fort, euh, et on combat soit des 4, 6, 8, 10 ou 12 rounds, des rounds de 3 minutes, et où... Euh, le jeu, quand on est professionnel, c'est de, de porter des, cours qui, des coups qui portent, mmh. d'arriver à mettre son adversaire en difficulté. Et euh, vous pouvez par exemple être touché euh, cinq, cinq ou six fois par des coups relativement euh, euh, pas forts. Si vous vous-même vous lancez trois coups qui sont très forts, vous avez gagné le round. Mmh. Donc, il donc, y a un jeu qui est, qui est le, la manière dont on juge. La performance est différente. Euh, il y a beaucoup plus de corps à corps, justement à cause de, à cause de cette recherche des coups qui portent. Euh, et il y a une souffrance du corps qui est euh, sans, sans commune mesure mmh. avec la souffrance du corps que subissent, que celle, les, que que les... Que subissent les amateurs. Mmh. Et donc, là, une, une grande différence avec, dans corps et âme. Corséam est très centré sur mon, sur mon expérience mmh. euh, d'apprentissage dans la salle et sur mon combat au Chicago Golden Gloves qui est rentré dans, le, <laughs> dans la légende du club encore euh, euh, l'hiver dernier bonjour. quand j'ai je, quand je, quand contacté mes, mes, mes potes de la salle pour faire un, une, une, re, une revisite de ce qu'ils sont devenus dans les 30 ans euh, depuis que la salle a fermé. Euh, tous voulaient parler de mon combat comme si ça avait <laughs> été… Euh, euh, Mohamed Ali contre Joe Fraser. <laughs> euh, donc, le, le Corseam est très centré sur mon expérience et notamment sur les chez les amateurs mm -hmm. et voyage au pays On des boxeurs est beaucoup plus centré sur les professionnels et donc avec ce travail de, de, de mise en perspective et de, de synergie entre mm -hmm. le texte et les, et, et les photos et en particulier ce qui est beaucoup plus euh, euh, approfondi, c'est l'expérience de non seulement la préparation mais euh, l'attente. Euh, l'attente du match et l'espèce de, de tension euh, émotionnelle et morale qui monte au fur et à mesure qu'on se rapproche euh, des jours du combat et comment les boxeurs eux-mêmes voient euh, se passe le film pendant des semaines avant le combat se passe le film de ce que, ce que va être le, leur combat vivent euh, euh, des hauts et des bas émotionnels très, très forts avant d'arriver à ce moment où ils vont monter sur le ring et quand, quand ce moment vient, euh, ils ne veulent qu'une chose, c'est monter sur le ring. Mmh. Euh, même avec la peur, parce que chaque, tous les boxeurs ont peur, euh, Mohamed Ali le, le disait lui-même, le boxeur qui n'a pas peur, quand il monte sur le ring, c'est un inconscient. Mmh. Et donc il y a cette anxiété qu'on va transmuer en, en, énergie, en énergie positive, euh, mais il y a toujours bah, la crainte du... Du coup, qui fait basculer sa vie. La, la, euh, la, la, un, un des boxeurs dit euh, Ah, je, je, je prie, je dis euh, euh, J'espère qu'il va pas me couper, j'espère qu'il va pas me toucher, mmh. j'espère qu'on va pas faire les 10 rounds. Que... Donc, <laughs> il, y a, il y a toute cette anxiété. Et en même temps, il n'y a rien de plus que le boxeur souhaite quand il s'est préparé. Il n'y a rien de pire pour un boxeur qui s'est préparé pendant. Euh, 8, 10, euh, 12 semaines pour en, 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 en per, à la perspective de son combat, que son adversaire soit ne fait pas le poids, mmh. et on est obligé d'annuler, ou soit ne se montre pas. Oui, oui. Euh, parce qu'on ben, on, on a été tendu pendant toutes ces semaines vers, ce, vers cet objectif, et de ne pas pouvoir l'atteindre, ça mmh. c'est la, la très grande frustration des boxeurs. Je voudrais qu'on dise quelques mots du, du, de l'économie en fait, de la boxe et du contexte qu'il y a autour de ça, parce que. En vous lisant, je me suis dit, mais. et notamment dans, en écoutant en fait, vos enquêtés, on se dit, en fait, la boxe, c'est. à la fois, on peut y voir une illustration du rêve américain, en fait, ou de la, <laughs> En tout cas, c'est perçu par un certain nombre de vos enquêtés comme mm -hmm. un moyen, finalement, de s'en sortir et de sortir mm -hmm. du ghetto, d'accéder de, de, mm -hmm. à la gloire, peut-être, mais encore plus aussi, tout simplement, à la richesse, d'acheter mm -hmm. une maison, à sa famille, au sien, mm -hmm. hein, enfin, voilà, sortir mm -hmm. de l'état de relative pauvreté dans lequel on est. Et en même temps, comme vous le dites, et d'ailleurs j'ai l'impression que enfin, ça vaut pour la boxe, mais ça vaut pour euh, l'immense majorité des, de l'industrie du sport, que c'est pareil dans les autres sports, il y a quand même extrêmement peu d'élus et euh, un, un, une immense majorité de... Un, de déçus. J'ai noté, vous dites, à un moment, que 20 boxeurs pro et leurs promoteurs concentrent presque 99% de oui. l'argent généré par ce oui. sport. Donc, on est vraiment sur une pyramide des, oui. des richesses extrêmement concentrées, c'est ça Donc, euh, on y place beaucoup de croyances, beaucoup d'aspirations. En même temps, la réalité apporte quand même un démenti, souvent. Euh... Ah, alors, alors, tous les boxeurs qui passent professionnels ont… Leur rêve, c'est de devenir de champion f... du monde, oui. avoir une ceinture. Il y a des posters de Mohamed Ali voilà. et Mike Tyson dans tous les, dans tous les clubs. Et, ouais. et, et, et donc, c'est de remporter une ceinture, c'est euh, rentrer dans l'histoire, c'est avoir inscrit son nom euh, euh, dans, dans l'illustre, dans le livre, dans le grand livre de la boxe. Et ils ont aussi le, le rêve de, de gagner de l'argent. Oui. Mais ils déchantent très vite quand ils apprennent que. Que les, les cachets que gagnent les boxeurs de club ou les boxeurs préliminaires qui boxent en première partie de soirée, euh, à Chicago, à l'époque, gagnaient 50 dollars par round. Donc, Ce qui veut dire que pour un match de 4 rounds, ils gagnaient 200 dollars, donc ce serait à peu près 400 euros d'aujourd'hui. Euh, et et pour, un, pour un match en, en tête-tête d'affiche en 10 rounds, ils, ils gagnaient euh, 1 dollars, soit 2000 euros de, de nos jours. Donc, et ils combattaient en moyenne. Entre trois et six fois par an. Donc, ils allaient gagner, euh, euh, mettons, 8 000 euros d'aujourd'hui dans l'année. Donc, euh, loin de gagner de quoi, euh, de quoi changer son, mmh. son, son standing de vie, de quoi euh, mmh. s'acheter même une voiture ou, euh, oui. euh, ou, ou acheter une maison à sa maman, mmh. qui, est, qui est le rêve de, de beaucoup de boxeurs. Donc, en fait, euh, les boxeurs, quand on regarde, ils gagnent tellement peu d'argent. Que, et, et, et quand on regarde, est-ce que, est que leurs managers gagnent de l'argent hein, On parle de pros. Hein, oui, oui on, ça, on parle ça, de, pro, de professionnels. Euh, par exemple, à, euh, bah, il faut savoir, c'est vrai en France aussi. Aujourd'hui ou... en France, par exemple, est-ce qu'on a une idée du nombre de boxeurs qui peuvent en vivre qui en vivent entièrement grâce à ce Entre, entre 5 et 6 boxeurs. Ouais, c'est rien. Donc, euh, euh, et, et, et donc, ça, c'est pour tout le pays. Ouais. Et à Chicago. Euh, euh, à l'époque, il y avait trois boxeurs qui vivaient de la boxe, qui oui. vivaient de leur, de leur seul cachet. Mm -hmm. Et donc, en fait, quand on regarde, c'est une économie qui ne devrait pas exister, puisque les boxeurs ne gagnent rien. Alors, on se, on se tourne à ce moment-là vers les managers. Mais les petits managers de boxeurs préliminaires, eux-mêmes, ne gagnent rien du tout, puisque les cachets sont tellement faibles qu'ils ne prennent pas leur, leur, alors leur 20% ou leurs 30%. Euh, ils prennent 10% s'ils ne soutiennent pas leurs boxeur dans leur vie quotidienne, mais s'ils versent ce qu'on appelle un salaire à la semaine à leur boxeur, à ce moment-là, ils prennent un tiers de leur cachet. Mais quand votre boxeur a gagné 500 dollars, vous n'allez pas lui prendre de 200 dollars qui ne représentent rien pour vous. Donc les petits managers, en fait, se trouvent, et souvent, pour garder leur boxeur actif et qu'il ne, ne se rouille pas, pour les, les petits managers organisent eux-mêmes des, des, des soirées pugilistiques. Euh, pour lesquels ils ils, non seulement ils payent, ils payent leur boxeur, mais ils payent l'adversaire, le cachet de l'adversaire mmh. de, la de leur mmh. boxeur, pour qu'ils puissent pouvoir avoir un match. Et donc, et ils essaient de faire venir un public, mais en général, dans le livre, je donne justement les comptes les comptes ouais. établis après une, 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 une soirée pugilistique, où on voit que le budget, c'était... Le, deux managers locaux qui ont organisé cette soirée pugilistique, ils ont, ils ont misé 11 000 dollars, ils ont 11 000 dollars de frais, et ils ont, ils ont 9 000 dollars de revenus, donc ils en sont de leur poche pour 2 000 dollars. Donc là aussi, les petits managers ne gagnent rien. Donc on se dit, mais comment cette économie existe Pourquoi les gens continuent ben, C'est là qu'il faut, faut se pencher sur tout ce qui est… L'action pugilistique elle-même. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas, ce pas ce que les boxeurs tirent de la boxe, c'est comment la boxe les tire mm -hmm. euh, à l'intérieur de cet univers clos, un univers sensuel, un univers moral, euh, qui est très euh, vibrant, qui est très, euh, qui est très magnéti mm -hmm. magnétique, on dirait, oui. oui, euh, oui. Et, et qui, euh, qui les élève au-dessus de leur vie quotidienne, mm -hmm. qui leur donne. Euh, par exemple, prenons, le, prenons un des aspects, donc il y a cette, euh, cette morale, cette éthique professionnelle du sacrifice. Oui. Alors, sacrifice, c'est un, un, un mot que l'on entend sans arrêt dans les salles de boxe. Les, en particulier dans la bouche des entraîneurs qui qui invitent leurs boxeurs à sacrifier. Sacrifier, c'est quand vous décrivez leur quotidien. Enfin, euh, allez-y, mais on, enfin, c'est pas c'est pas juste un mot ou une idée du sacrifice. C'est une pratique très concrète. Enfin, vous allez nous dire sur la nourriture, la vie sociale. Ils font des et sacrifices la sexuelle, et la vie donc, sexuelle. A, ils font a, des vrais sacrifices pour arriver. Alors il y a ce catéchisme du sacrifice qui a trois commandements. Oui. Les commandements culinaires ou nutritionnels qui ont trait à il faut se soumettre à une diète très rigoureuse, euh, viande blanche, euh, légumes bouillis, euh, thé sans sucre, euh, fruits, pour euh, arriver à maintenir son poids de, de son combat. Poids de combat, parce qu'il y a la pesée le matin. Il ça, y a la pesée du euh, matin chacun. des combats, et si vous ne faites pas le poids de combat, ben, le combat est annulé. Et en général, votre, votre poids de combat est plusieurs kilos 36. en dessous de votre poids euh, habituel. Mm -hmm. Donc il y, a cette, il y a cette règle. Deuxième règle, c'est restreindre sa vie sociale et familiale de manière à conserver son énergie et à se focaliser sur son entraînement ou sur le combat vers lequel on est, on est, on est dirigé. Donc là aussi, ça veut dire ben, ne pas sortir le soir, ne pas sortir avec sa famille, se coucher tôt le soir pour avoir ses 9 heures de sommeil avant mmh. de se lever tôt le matin pour aller faire son footing. Mohamed Ali disait, si vous voulez être boxeur professionnel, la première chose qu'il faut apprendre à faire, c'est mettre vos chaussures de course au pied de votre lit. Parce que le boxeur, pour, pour avoir l'endurance de faire des 3 et des, ring, hein. et des 5 rounds et des 10 rounds, il faut, il faut construire cette endurance par un travail mmh. de course à pied, euh, tous les jours, en plus du travail à la salle, travail euh, en shadow boxing, travail sur les sacs, euh, rounds de sparring. Euh, Saut, saut à la corde, assouplissement, mm -hmm. musculation, etc. Euh, donc, donc deuxième euh, règle, euh, réduire sa vie sociale. Alors pour des jeunes euh, hommes qui ont entre 16 et, oui, et 28 ans, hein, bah, euh, <laughs> par exemple laisser ses potes aller euh, euh, par les soirées et, 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 et devoir rentrer chez soi pour aller se coucher tôt, c'est mm -hmm. un vrai sacrifice. Et le troisième sacrifice qui est... Qui est, dont certains disent que c'est le plus difficile à, à réaliser, c'est se priver de, 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 de toute relation sexuelle et même amoureuse. Avant, dans la période qui dans la, précède dans, alors, un match Dans la ça. période qui précède, alors entre 6 à 8 semaines avant un match, les entraîneurs euh, pressent leurs leur boxeurs, et, et les boxeurs savent qu'ils doivent sacrifier, et, et, et leurs petits amis savent qu'ils doivent sacrifier. Et, et donc, il y, a ce, il y a cette croyance que euh, si on a un rapport sexuel, même des semaines avant le combat, euh, ça vous ramollit les jambes, ça fait fléchir les genoux, ça enlève de l'agressivité. Même euh, mon coach Didi disait si tu éjacules, tu perds du sang de la colonne vertébrale. Donc, il y a toute une Mais... série de théories euh, euh, propres au monde pugilistique qui ont trait aux effets de la pratique sexuelle sur le corps. Euh, Mais on qui... est d'accord que ça, euh, scientifiquement, les études démentent. Euh, les études démentent qu'il n'y a aucun, aucun ce fondement. Avec alors, ce qui... alors pour, pourtant, c'est quelque chose qui continue à, enfin, cette règle ce... de l'abstinence sexuelle continue à prévaloir, alors même qu'il y a des démentis scientifiques. Tout à euh... fait. Et alors, il faut se poser, en fait, la question, euh, la question extra euh, physique euh, de, de, cette, de cette règle. En fait, si on regarde ces trois règles, euh, euh, nourriture, vie sociale. Et pratiques sexuelles, on remarque que la plupart des grandes religions mmh. du monde ont, des trois, ont, ont ces trois règles alimentation, oui. Oui. vie sociale et restriction des pratiques sexuelles. Et donc, ces règles, elles font quoi Elles tracent un cercle, qui est un cercle sacré, autour de ceux qui, qui, ont, qui sont rentrés dans ce cercle et qui appliquent ces règles. Et qui, appliquant ces règles, se séparent des autres, se séparent du commun, se séparent de ceux qui vivent la vie de tous les jours. Et rentre dans une espèce de monde euh, clos, de, mo de monde en quelque sorte qui s'élève par assaise. C'est une assaise alimentaire, une assaise sociale, une assaise sexuelle qui fait qu'on s'élève au-dessus du commun, au-dessus mmh. de la vie ordinaire, et on rentre dans cette confraternité en quelque sorte euh, euh, sacrée qui, 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 qui peut, qui, se séparant du profane, mmh. euh, atteint le sacré. Et, et, et même, on pourrait dire, alors dans le cas de l'abstinence la, de, de sexuelle, cette, cette règle a pour but d'inviter le boxeur à rediriger sa libido, sa, son énergie de vie, son, son, euh, de, du, du corps d'une femme, donc une libido, euh, qu'on pourrait dire libido sexualiste, mmh. la libido sexuelle dirigée vers un être de, de l'autre sexe. En libido, qu'on peut dire libido pugilistica, mmh. en libido euh, en, en désir, de, en, en force de vie, en désir vers le corps d'un autre homme, mmh. que l'on va rencontrer euh, sur, sur le ring, Ou quand on réfléchit, quand on voit bien un combat, bah, ce sont deux hommes quasiment nus, euh, si ce n'est leurs euh, leur bottes, leurs euh, leur shorts, et leur, et, euh, qui portent des gants, euh, des gants rouges. Euh, que, qui, dont on pourrait dire qu'ils figurent des sexes en érection et ce sont des boxeurs qui, 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 qui s'étreignent l'un l'autre mmh. et donc, donc il y a un côté qu'on pourrait dire homo-érotique dans, dans la pratique pugilistique mmh. alors chaste, to totalement chaste mais on pourrait dire que la préparation au combat c'est la préparation à une rencontre avec un autre homme, un corps à corps avec un autre homme qui lui-même s'est privé de con tout contact avec l'autre sexe et que donc, dans, cette, dans, ce, dans, cette, dans cet affrontement entre deux hommes qui se sont élevés au-dessus du commun en se privant des nourritures et des, et des, et des rapports sociaux et des rapports sexuels euh, ordinaires, on a en fait deux hommes qui atteignent un grade de masculinité qui est un grade supérieur. Et on est presque, enfin, un cran de plus, et il y a quelque chose de mystique en fait dans, dans l'expérience qui se joue là, non oui, et les boxeurs en ont une conscience charnelle, c'est-à-dire ouais. que si vous leur demandez, je me souviens une fois, j'avais donné une conférence à une, une, une grande conférence d'anthropologie où j'avais présenté ce travail, et j'avais euh, discuté justement cette dimension euh, homo érotique qu'il y a dans la boxe et le fait que les boxeurs en fait ont une espèce de cycle de vie. Euh, on, on... Il y a deux cycles quand ils sont dans, dans l'entraînement mais sans un combat en, en, ligne, en ligne de mire. Ils s'entraînent avec moins d'intensité, ils peuvent vivre euh, euh, une vie de tous les jours avec quelques restrictions, mais pas, pas des restrictions très fortes. Et dès qu'ils ont un combat, donc c'est un cycle profane, où ils sont des êtres de la vie quotidienne, mais dès qu'ils ont un combat en ligne de mire, ils rentrent dans un cycle qui est un cycle sacré, dans lequel ils s'imposent. Toutes ses privations, et il rentre dans un cycle. Autant le, le cycle profane est un cycle hétérosexuel, le cycle profane, on peut, on peut dire, est un cycle homosexuel dans lequel mmh. on va rentrer dans, une, dans des relations exclusives avec des hommes. Et, et donc, je me souviens, j'avais un de mes potes de la salle de boxe qui était dans la salle <laughs> et qui s'est mis, <laughs> mis à rire de manière gênée. Ouais, bah oui, parce que je dis les mots. Ouais. Et, et donc, mais quelque part, quelque part, les boxeurs le savent avec. Euh, ils ont le sentiment d'atteindre à quelque chose qui, qui leur est donné à eux qui s'affrontent mmh. sur le ring. Il y a quelque chose de oui, vous avez dit de mystique, une espèce de mystique de la chair. Alors beaucoup de nos auditeurs vont dire ah mais ça c'est bien les intellectuels qui, euh, qui, qui, qui qui élucubrent. Les boxeurs eux ne voient pas ça comme ça. Ben, en fait les boxeurs se reconnaissent les uns les autres. Se donnent euh, un assentiment, se donnent euh, une reconnaissance mutuelle, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, mmh. à partir du moment où ils se sont soumis à la discipline de la salle, qu'ils ont obéi à l'éthique du sacrifice et qu'ils ont montré du cœur sur le ring, mmh. eh bien, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils rentrent dans la grande confrérie des boxeurs et ils participent de cette gloire collective. Et d'une certaine manière, ben, ils, quand ils pensent qu'ils sont élevés au-dessus du commun, They don't let you get that second win, but you don't even know it's out there for you. You want the title? You want to wear the heavyweight crown? Nose, broke, jaws, smashed face, busted in. You ready for that? Is that you? You face the man who will die for you let you win. Ça, c'est le côté euh, vous parlez de bénéfices existentiels, mmh. de profits symboliques tout ça, c'est le versant lumineux en fait mmh. de, de, de l'expérience pugilistique, mmh. mais il y a aussi, et on le voit à travers les paroles de vos enquêtés, il y a aussi une face sombre euh, de la boxe, ouais. dont d'ailleurs, euh, ils prennent conscience, euh, en tout cas pour certains d'entre eux, de manière assez progressive, plus les années passent, plus on se rend compte que c'est quand même de l'usure physique, que c'est des promesses aussi de gloire et de richesse qui mmh. sont rarement tenues, euh, que c'est même peut-être de l'exploitation, il y a des termes très forts, on y reviendra de certains de vos enquêtés, et, et, et pourtant, euh, racontant cela, vous racontez aussi toute la difficulté qu'ils ont à raccrocher les gants et ouais. à arrêter, quand bien même pour certains qui ont une conscience extrêmement aiguë en fait, ouais. du, du fait que pff, finalement la voie est bouchée et tout ça, c'est ouais. beaucoup de sacrifices pour pas grand-chose. Ouais. Ils n'arrivent pas euh, à, 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 bah, à raccrocher les gants et parce ouais. qu'ils ont tous un petit boulot à côté. en fait. Ouais. Et on pourrait imaginer qu'ils s'y consacrent ouais. à temps plein et qu'ils abandonnent la boxe, mais non. Ils n'abandonnent pas. Et c'est même, j'ai envie de lire une citation de Haute-Livre, de je trouve ça absolument. Absolument tragique, mais vous allez nous l'expliquer. Euh, vous dites, euh, 8 boxeurs sur 10 jugent que la boxe a été une force positive dans leur vie et chausseraient à nouveau les gants si c'était à refaire. Et vous ajoutez juste ensuite, 8 boxeurs sur 10 souhaitent que leur fils ne devienne pas professionnel. Vous donnez la parole, il y en a un qui dit je fais ça pour que mon fils n'ait pas à le faire, et l'autre tout sauf la boxe pour mon fils. Donc c'est un rapport qui est quand même oui. extrêmement contrarié oui, oui. et complexe à, à son métier. Enfin... Tout, tout à fait, vous l'avez bien dit, c'est un... Il y a deux faces. Il y a la phase glorieuse, même la petite gloire qu'on oui, a oui. d'être simplement un boxeur et d'avoir, de recevoir la fameuse. Et, et, et le prestige dans, famille, dans son non. quartier, dans la famille, etc. Même si on est un boxeur médiocre, on est un boxeur professionnel. Et donc il y a, il y a, il y a cette gloire-là. Mais il y a le côté sombre qui est ben, le fait que... que C'est un paradoxe que l'on va détruire sur le ring, cela même que l'on valorise le plus, qui est son corps martial affûté préparé euh, habile mm -hmm. euh, qu'on va mettre en danger mais d'une certaine manière c'est on a la rédemption parce qu'on a le danger mm -hmm. on, on, a, on, a le, on a, le, on a cette, cette petite étincelle de gloire mm -hmm. parce qu'on accepte de, la, la douleur mm -hmm. la douleur et, et le risque que l'on prend en montant sur le ring, les boxeurs utilisent trois langages pour, pour expliquer leur rapport à leur art. ils, ils utilisent le, le, le langage de la drogue. ils disent, c'est comme, comme euh, de l'héroïne dans tes veines. Euh, l'un d'eux me disait, euh, j'aurais voulu ne jamais mettre les gants. la première fois que j'ai mis les gants, je ne savais pas ce que je faisais. Mmh. c'est comme de la drogue. tu peux plus t'arrêter. Ça, c'est le langage de la drogue. Le, son, le second langage, c'est le, le langage de l'amour, euh, de l'amour passionné. Euh, et j'ai euh, euh, un boxeur qui dit très bien ça. Il dit, c'est comme une femme, la boxe, c'est comme une femme qui est très belle et tu sais qu'elle te fait du mal, mmh. et tu sais qu'elle te trompe, et tu sais qu que tu ne devrais pas rester avec elle. Mais elle est si belle quand elle te parle tu l'écoutes tu sais que c'est pas vrai mais tu ne peux pas t'empêcher et tu restes avec mmh. elle et donc y a ce... et, et le troisième c'est la maladie mmh. c'est ah comme oui. une maladie et donc ils utilisent ces trois là c'est comme c'est comme s'ils étaient prêts en quelque sorte littéralement ils étaient pris à leur corps défendant oui. dans ce dans cette nasse et c'est là que c'est là que le, le, le travail sociologique porte ses fruits c'est qu'on peut expliquer ce mystère du du pugilisme qui ne devrait pas exister si, si, si on faisait une comptabilité matérielle de ce que les boxeurs retirent de, okay. de la pratique, ben, la boxe professionnelle n'existerait pas. Mm. C'est donc bien qu'il y a ce profit symbolique d'exister de, au sein d'une confrérie qui elle-même est honorifique. Euh, il y a ces profits symboliques d'avoir ces règles de vie à, à, à suivre euh, tous les jours. Il y a cette sociabilité. Euh, protectrice et, 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 et protégée de, de, de l'amitié qu'on a avec les autres membres de, de la salle. Il y a, il y a le, le côté à la fois, euh, c'est très étonnant, il y a à la fois euh, l'entraînement, c'est très euh, euh, répétitif et très euh, lancinant et, très, et en même temps c'est grisant. Mmh. Euh, et donc voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a une griserie. Euh, spécifique, une griserie propre à cet univers, qui est d'une part la griserie de l'entraînement et de la participation à la vie morale et sociale du club, et ensuite il y a le frisson euh, du combat. Mmh. Et ce, à la fois on en a peur, mais on s'y est préparé, et on va on va ressentir pendant ces minutes sur le ring euh, des sensations qui fait que euh, L'un des boxeurs dit, il euh, n'y a pas de mots pour expliquer. Mmh. Souvent, il, 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 il compare avec, avec le coït, mmh. euh, il compare avec, euh, avec la drogue, avec oui. c'est je, je comme si je planais quand je, suis, quand je suis sur le ring. Il rentre dans un univers sensuel et moral particulier et qui, qui, qui en quelque sorte, qui fait que ça, vaut la, ça, ça mmh. en vaut la chandelle. Mais d'ailleurs, vous-même, ça m'a amusé. Il y a, je ne sais pas si c'est une note de bas de page. En tout cas, c'est vraiment dans le coin d'une phrase. À un moment, vous dites, sur, concernant l'expérience de ce qui se joue sur le ring, vous le décrivez. D'ailleurs, je trouve qu'à l'écrit comme à l'oral, vous, vous le décrivez bien. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais pratiqué ce sport, ni de près ni de loin, il y a quelque chose qui passe. Je, je, je comprends, j'ai l'impression de comprendre une partie de, de cette expérience. Mais vous-même, vous dites, parce que là, vous avez un enquêté qui dit que c'est un disciple, c'est comme le coït. Et vous-même, à un moment, vous... Vous, vous passez le, le relais, vous dites finalement, il faudrait des, des romanciers, des écrivains oui. pour nous raconter oui. vraiment oui. ce qui se passe sur le ring. Et d'ailleurs, vous, vous recommandez un ou deux romans euh, oui. écrits par des auteurs qui ont eux-mêmes vraiment été boxeurs. Oui. <laughs> Comme si, oui, oui c'est ça, il y avait quelque chose qui... C'est un, un peu le défi que, que je m'étais lancé avec ce livre. C'est est-ce qu'on peut se servir, et c'est pour ça que ça va plus loin que corps et âme est-ce est qu'on peut se servir du canal visuel oui. et donc de la photographie et faire travailler la photographie avec le texte et notamment avec les verbatimes des boxeurs mmh. qui sont, euh, qui sont euh, en quelque sorte euh, disposés telles gar... tel, tel des guirlandes de texte oui. autour des photos Est-ce qu'on peut euh, faire partager au lecteur ce qui est une expérience des tripes mmh. en quelque sorte, ce qui, ce, qui, ce qui est une expérience charnelle est-ce qu'on peut trouver les mots pour le dire mmh. Alors, les mots et les photos euh, pour le dire. Et euh, j'espère que quand les lecteurs... Euh... Alors, j'ai une, une indication qui est, qui, est, qui est favorable, qui est que ma mère, qui était toujours horrifiée par le fait que j'ai boxé, qui ne voulait jamais savoir comment ça s'était passé, et qui, qui voyait la boxe comme, comme, je crois, beaucoup de gens le voient, comme de mecs qui se mettent sur la gueule, et comme une violence... Mmh. Euh, inacceptable. Euh, je lui ai évidemment amené le livre, qu'elle n'a pas voulu ouvrir. Et puis finalement, elle a, elle a ouvert, elle a commencé à regarder les photos, et elle a regardé les photos, et elle a lu le texte, et elle m'a dit euh, maintenant je comprends pourquoi, pourquoi on peut être boxeur, finalement. Mmh. Euh, comment, comment et pourquoi on peut rentrer dans cet univers et, 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 et qu'est-ce qu'on peut y trouver. Mmh. Et, et la phrase avec laquelle je résumerai ça, c'est que c'est ce la dialectique du, du voyage et de la destination. En fait, les boxeurs, on, on pense que les boxeurs boxent pour ouais. quelque chose extérieur à la boxe, pour mmh. gagner de l'argent et même pour la gloire, etc. Alors qu'en fait... Les boxeurs, c'est l'activité elle-même qui, qui est sa propre récompense. Mmh. C'est le, le voyage. C'est pour ça que j'ai gardé, gardé ce titre. C'est le voyage qui fait que le voyage qui est vibrant, qui donne un, euh, un, du zeste à la vie quotidienne. Mmh. Par exemple, aller, aller un samedi après-midi à la salle de boxe, quand on sait qu'on va, qu va, qu va mettre les gants et faire trois rounds de sparring, bah, c'est excitant. <laughs> on est, ça transforme votre samedi. Et c'est pourquoi les, les boxeurs, même quand ils sont dans une phase descendante, alors beaucoup de boxeurs n'ont même pas de phase ascendante, mmh. donc ils n'ont que des phases stagnantes et ensuite descendantes, quand ils sont utilisés par les promoteurs comme faire valoir ou comme, euh, comme euh, cher à canon pour euh, euh, construire la carrière de boxeurs qui, eux, ont, 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 ont des perspectives de réussite, même ces boxeurs-là restent, attachés à, leur, euh, restent mmh. attachés à leur art, restent, restent attachés euh, à leur... Euh, euh, oui, alors, leur métier, c'est un métier du corps, qu on, quand on l'a exercé, on, est toujours, euh, on en est toujours on quelque est... part prisonnier. Mmh. Un, un, des, un de mes collègues de, de Woodlawn, euh, Alfonso Ratliff, qui a été bri brièvement champion, champion du monde chez les poids mi-lourds en 1985, il, il dit Il n'y a rien qui pourrait me donner la même sensation que de monter sur un Ring ce serait de monter au ciel. Alors je lui dis, ah, ça pourrait, ce, ce serait la même chose Il dit non, je n'ai pas dit la même chose, c'est qu'on pourrait comparer. <laughs> euh... D'accord. Et alors vous dites, bah, pour, euh, sur la perception de ce sport par votre mère, par le ouais, commun des mortels, ouais. vous dites qu'en fait, le, le la boxe apparaît comme plus dangereuse qu'elle ne l'est en réalité, en fait, et que quand on regarde les études statistiques sur le nombre de victimes, bah en fait, il y a des sports qui sont pourtant mieux considérés que la oui. boxe, mais qui en fait en réalité font plus de victimes. Bon, la natation, l'escalade, le, euh, le hockey, enfin. Donc ça aussi, ce, ce, cette cette distorsion euh, de notre regard porté sur ce sport, c'est c'est le signe d'une forme de réprobation en fait morale qu'on. Qu oui, il y, où... y, y a toujours eu la, la boxe. Y a toujours ces deux côtés, à la fois le côté de la fascination et les grands ouais. champions, par exemple quand on prend un, un Marcel Serdant ou un Carpentier euh, à la Belle Époque, c'était des, des, pers des personnages publics euh, qui irradiaient de leur gloire euh, -tout, tout le monde et qui étaient absolument centraux dans la vie, dans la vie collective, mais au fur et à mesure des, des, des décennies, depuis en gros… Euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est aussi un sport qui est pratiqué uniquement par euh, euh, les gens d'en bas, ouais, oui. euh, les classes populaires et les, et les immigrés euh, et les ethnies, les ethnies stigmatisées. Donc c'est vu comme c'est associé avec des groupes euh, euh, stigmatisés. Pour les gens, au fur et à mesure que les sensibilités de classe moyenne se sont répandues, notamment par le biais du système scolaire, une sensibilité de classe moyenne ça veut dire qu'on sacralise le corps et son intégrité physique. On, Or la boxe une par définition pour violence ou pour... par définition, c'est une atteinte à l'intégrité physique mmh. oui. du corps. Et donc pour, euh, à travers les yeux d'une personne de classe moyenne, ben, la boxe c'est une, une horreur. Mmh. Une, euh, il faudrait le, le bannir et il y a eu périodiquement des, des mouvements pour, pour, pour bannir la boxe. Elles ont été, la boxe a été longtemps bannie dans les pays scandinaves faut le savoir. Euh... — Et aujourd'hui, de fait, euh, en France, en, en l'occurrence, aux États-Unis, je sais pas, vous allez nous dire si c'est pareil, mais elle jouit euh, d'un statut, d'un prestige beaucoup plus euh, minime que, euh, que ce qu'elle a pu... Bah, vous parlez de la Belle Époque, oui. voilà, ben La boxe partout a subi un déclin, un déclin euh, euh, oui. au long terme. — Ça se voit, terme se voit en termes de licence aussi, de Ça se voit en termes de prestige. Euh, en termes de nombre de licenciés, en termes de nombre de gyms. Bon, par exemple, si vous allez dans le Chicago des années 50 ou 60, euh, chaque euh, chaque quartier avait euh, son gym. C'est ça. Euh, même éventuellement avait même plusieurs gyms qui se faisaient oui. concurrence. Oui. Les boxeurs amateurs pouvaient boxer trois fois par semaine. D'accord. Euh, même ils étaient payés sous la sous la table pour les faire venir euh, parce qu'il y avait concurrence entre entre, entre divers les... tournois. Les boxeurs professionnels pouvaient boxer. Euh, euh, Plusieurs fois par mois. Mm. Alors qu'aujourd'hui, euh, un boxeur professionnel à Chicago, s'il boxe tous les trimestres, euh, est déjà... il est content, il, il, il sera content. Et, et pour les amateurs, il y a, il y a trois grands tournois euh, le tournoi des Golden Gloves, le tournoi de Catholic Youth Authority Organization et, et les tournois de, de, des parcs de la ville de Chicago. Euh, mais euh, la boxe a subi un déclin, un déclin euh, constant euh, qui est lié à deux, à deux facteurs qui se renfor renforcent l'un l'autre. D'un côté, la transformation des conditions de vie de la classe ouvrière, mm -hmm. qui se sont euh, améliorées, améliorées de, manière ouais, continue ouais. de manière continue et qui ont marginalisé le travail physique euh, dur, le travail d'usine, euh, où il euh, où y avait en quelque sorte ben, euh, beaucoup de gens qui, qui, pour qui euh, le travail était un travail physiquement pénible, donc la boxe était une pratique qui n'était pas si pénible que ça par comparaison. Le deuxième facteur, c'est la généralisation de l'éducation secondaire, voire de l'accès à l'université, qui fait que bah, on, 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 les jeunes, y compris les jeunes de milieux populaires, cherchent une voie de réalisation, une cherche des défis et, et une voie pour se pour se projeter dans le système scolaire plus que Sortir du. Sortant du auparavant, bon, il y a trois générations, on sortait du système scolaire euh, à l'âge de 14 ans et on allait euh, travailler à l'usine à 16 ans. Et, on, et à ce moment-là, bah, le, on, on était beaucoup plus à même de, de créer des bataillons de candidats à la boxe euh, bah, dans ces conditions-là qu'aujourd'hui que, mm. qu où, euh, où euh, la transformation du travail ouvrier et la généralisation de, de mm. la scolarisation fait que bah, les, les candidats. Euh, à, à la boxe, sont, sont, leurs effectifs ont, ont fondu comme neige au soleil. Mmh, Alors il y, y a également des, des petits cycles. Il y a des petits cycles, on a l'impression que la boxe redémarre, oui, qu'elle revient. Demander parce que, par exemple, aujourd'hui, on voit des, des influenceurs sur YouTube. Enfin, oui. je pense à Paul Logan, oui. euh, des gens comme ça qui, qui qui font des combats de boxe. Enfin, et au-delà de ce, ça, ça c'est sûrement un épiphénomène. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un, un petit retour Vous en parlez vous-même de la boxe chez l'école blanche. Oui. Enfin, et, 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 et la boxe, boxe féminine, féminine aussi. La boxe féminine, Donc, oui. Ça, a... un, ça, ça fait partie. C'est un, un regain, mais plutôt. Modeste, vous dites ça. Alors, alors c'est un regain euh, avec. Euh, une démocratisation euh, même de ce sport. En, en, en en, avec en France euh, un, une, une, une forte augmentation des praticiens de col blanc, ouais. euh, comme, comme on dit, et des, et des, praticiens, et des, et des praticiennes. Euh, la boxe de loisirs et, et Alors il y a la boxe de loisirs où on fait l'entraînement le, pour se mettre en forme, oh, mais où, éventuellement on fait des assauts de sparring, mais, mais, mais pas trop, où on n'en fait pas. Il y a, vous avez ensuite la boxe de compétition amateur, et ensuite ben, on passe chez les professionnels, où là on l'a vu, c'est un, un sport très, très, très différent. Donc il y a, il y a un, un, un certain engouement pour la boxe de loisirs aujourd'hui, euh, mais ça, là aussi ça ça, vous dit ça, quoi, ça... ça vous dit quoi pour, pour vous Cet engouement, il dit quoi de, de notre société euh... Comment vous le… – Qu'on est devenu une société de plus en plus individuelle où les individus doivent se lancer des défis, euh, des défis personnels qu'ils mmh. vont relever dans une démarche de construction du soi qui est de plus en plus individualisée, qui est que… On... que – C'est un, le... un rapport totalement différent de celui que vous décrivez euh, bah, au gym de Woodlawn. Il euh, n'y avait pas cet aspect euh, individualiste, on, sent, on sentait une communauté, oui, oui. une fraternité. Euh... – Oui, oui. Et je, je pense qu'on est dans des sociétés de, où les individus sont de plus en plus sommés de se construire eux-mêmes et de se construire de manière individuelle, mmh. d'avoir individuelle, leur propre trajectoire, leur propre, leur propre désir, leur propre euh, qualification. Et que la, 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 la boxe de loisir participe de cette, de cette accentuation de l'individualisation des, mmh. des, des, des trajectoires de vie, puisque aller à la salle de boxe, c'est. C'est en, entrer en dialogue avec soi-même. Oui. C'est essayer de se, de se comprendre, de se connaître, c'est se, se donner un défi à soi-même, essayer d'atteindre de, de, ses limites et de les repousser, mmh. que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Mmh. Et, et la boxe est absolument euh, idéale à ce point de vue-là, puisque vous pouvez aller dans une salle de boxe et vous, vous pouvez d'abord vous, vous, vous donner comme défi de faire 12 rounds d'entraînement, et puis 15 rounds, et puis après mettre les gants. Mmh. C'est un, un sport ou une pratique ou un art du corps dans lequel vous avez comme ça toute une série, d d une série de marches d'escalier, et vous vous trouvez en bas, de la, en bas de la marche, vous voulez passer la première marche. Une fois que vous avez monté la première marche, il y a la seconde marche mmh. qui vous qui vous titille, qui vous, qui vous donne envie, de, ouais. et vous allez vouloir euh, euh, peut-être faire de la compétition chez les amateurs. Et, c et après, et en fait de la compétition chez les amateurs, vous, vous voyez dans votre salle de boxe des professionnels qui s'entraînent, vous voyez. Ça devient un défi, de, est-ce que je peux passer professionnel C'est un peu ce qui m'est arrivé. Racontez-nous, d'ailleurs, avant de, nous, de, de revenir sur cette question, en tout cas, qui vous a travaillé à un moment de passer professionnel, je voudrais vous entendre sur... Comment vous êtes arrivé dans cette euh, salle de boxe, ce club de, de gym de, de Woodlawn enfin, ça, ça paraît quand même complètement improbable. Quand euh, on commence en tout cas à vous lire, que ce soit Corse M, ou Voyage au pays des boxeurs, on se dit qu'est-ce que vous donnez quelques éléments biographiques Donc je me permets de les restituer. Voilà, vous êtes né dans une famille en France de classe moyenne, pas loin de Montpellier. Oui, euh, et grandi, hein, vous, vous avez grandi là-bas et vous faites vos études à Paris, euh, à HEC, c'est ça, puis de la sociologie euh, en tant qu'élève de, de Pierre Bourdieu. Et puis, vous débarquez comme ça, fin des années 80, dans le South Side, euh, dans un ghetto noir de Chicago. On se dit que, que ça paraît… Euh, <laughs> ça ne matche pas bien. Donc, oui. que, comment vous êtes arrivé là euh, Qu'est-ce qui vous a fait... emmené sur ce, ouais. sur ce terrain qui est singulier Par ailleurs, il y a peu de… Ce... Bah, L'observation participante, c'est une méthode classique de la sociologie, mais… Là, l'écart entre d'où vous venez et où vous, venez, où vous menez votre enquête est quand même assez. est un écart assez prononcé. Comment vous êtes, comment vous êtes ah. arrivé là Alors, il est vrai que je n'avais pas des propriétés sociales qui me prédestinaient à... à rentrer dans la salle de boxe. En fait, ce que je faisais, c'est que je cherchais. Un... J'étais je... doctorant à l'Université de Chicago et je voulais comprendre la vie quotidienne du... dans, le... dans le ghetto noir. Et pour ça, je cherchais un point d'observation. Et j'avais euh, fait quelques tentatives infructueuses, notamment j'avais appris assez vite qu'on ne peut pas marcher dans la rue et parler aux gens euh, dans ces quartiers euh, euh, qui sont euh, désolés et, et dangereux. Et donc, par une. Parce que vous donnez, pardon, petite parenthèse, mais vous donnez, je ne les ai pas notés, mais vous donnez les taux de, euh, bah, de, de pauvreté, de chômage, mais aussi de délinquance, d'homicide euh, dans le quartier euh, au sein duquel se trouve le club de gym où vous avez passé trois années, euh, le gym. Et, euh, et en fait, c'est enfin, démentiel, quoi, comme niveau de. Bah, le, le, le taux d'homicide dans le quartier où était le gym, il est à peu près 80 à 100 fois le taux d'homicide oui, voilà. en France. Voilà, c'est ça, oui. Donc, c'est. C'est juste, voilà, je voulais ouais. qu'on donne un, au moins un ouais. indicateur ouais. pour euh, fixer les esprits, ouais. qu'on comprenne bien le, et, et, le fossé qu'il peut y avoir. Et en fait, ima imaginez un long corridor oui. de, de bâtiments à l'abandon, de, de magasins brûlés, de terrains vagues, jonchés d'ordures et de mauvaises herbes, et euh, niché sur cette rue, euh, un bâtiment qui est resté euh, debout et à l'avant duquel il y avait une garderie pour les enfants, et à l'arrière duquel il y avait euh, la salle de boxe. Alors, euh, par une série de circonstances fortuites, un ami français m'a amené à la salle de boxe, et dès que je suis rentré, j'ai été saisi par l'atmosphère euh, quasi religieuse qu'avait qu cette salle sans ouverture, sans, donc, euh, donc un peu dans la pénombre, avec euh, les murs... Euh, d'un jeune délavé, couvert de posters de boxe, et avec, avec ben, les odeurs d'embrocation, de sueur, les, les, les bruits des, des, des chuintements, les sifflements, le, cris, le crissement des, des bottines sur le, sur le ring, les, 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 oui. le, le bruit des, des mats des, des gants des qui danses. frappent le sac, et puis le ratatatata de la poire de vitesse. Donc j'ai été immédiatement saisi, et quand le vieux coach Didi m'a dit qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire ben, j'ai dit euh, la seule chose qu'il y avait à dire, qui était que ben, je voudrais apprendre à boxer, alors que ce n'était pas du tout mon intention. Et donc, je suis venu euh, au début. Euh, ben, je, me suis je me suis trouvé finalement face à un, un premier défi, qui était est-ce que je peux venir à la salle de boxe Est-ce que je peux tenir Est-ce que je peux apprendre ce, ce, cet art du corps et j'avais dans ma jeunesse quand j'étais adolescent j'avais pratiqué le football le tennis le rugby et le basket donc j'étais un peu oui. j'étais athlétiquement préparé mais c'était un vrai défi, défi parce que c'est oui. pas du tout facile je pensais que ce serait facile et j'ai passé mes premières séances à me faire Crié dessus par Didi, et j'ai voulu euh, abandonner euh, maintes fois. Et c'est là que l'encouragement de Pierre Bourdieu, qui, que j'avais au téléphone régulièrement, il, il me disait Mais restez dans cette salle, vous allez en apprendre plus sur le ghetto à travers cette salle de boxe que vous pouvez par n'importe quelle enquête. Et donc j'ai enduré, puis finalement j'ai réussi à acquérir un, un niveau suffisant pour mettre les gants, d'abord avec des amateurs, puis avec des professionnels, et ensuite à. À, à combattre dans le grand tournoi des Chicago Golden Gloves, les Gants d'Or de Chicago, et ensuite envisager même de passer professionnel. C'est vrai ça, que vous avez envisagé de passer professionnel. J ai, j ai... Et, et Qu chose qui... que. Je... Parce que c'est le principe de l'escalier que je vous. Oui, avec le, la métaphore que j'ai utilisée précédemment, qui est qu'une fois que vous avez fait des combats amateurs, ben vous voyez bien, vous, vous vous entraînez avec des professionnels, vous voyez bien le, le frisson, mm -hmm. l'excitation qu'il y a dans les, dans les galas professionnels et vous vous dites Je voudrais bien essayer au moins une fois. Mm -hmm. Mais mon coach de boxe, Didi, m'avait bien dit Si jamais j'apprends que, que tu as demandé une licence de professionnel, il m'avait dit avec beaucoup d'affection, je te casse les deux jambes et je t'ouvre le front donc euh, c'était sans pourquoi il pensait que vous feriez un meilleur sociologue que Quel parce <laughs> a que été le sens de cette parce qu'il <laughs> savait que ayant goûté euh, au frisson du ring mmh. ayant, ayant goûté au frisson du combat amateur je voudrais probablement à un moment donné essayer chez les professionnels. Et quand il m'avait dit ça, j'avais dit, mais Didi, c'est absolument, ce que vous me dites est ridicule, je, ça va jamais m'arriver, ça ne me, me viendrait jamais à l'idée d'essayer de, 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 de passer professionnel. Bah, il avait raison. c'est que Après, j'ai retrouvé, euh, en quelque sorte a posteriori, dans mes notes, que j'ai écrit que, bah, que j'envisageais même d'arrêter ma, carri ma carrière universitaire. Carrière. Pierre Boudume m'avait dit, ne le dites pas parce qu'on croira que vous fanfaronnez. <laughs> Ne le dites pas. Mais, mais bon, je peux le dire 30 ans plus tard. C'est vrai parce que c'est tellement, c'est un milieu tellement prenant, tellement qui vous happe, mm. qui vous le... C'est un... C est, c est, vous devenez comme aimanté. Mm. Et, 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 et par exemple, pendant ces années-là, bon, je, je menais une vie de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'étais... Euh, après les après-midi, je lisais, j'écrivais je, pour, mes, pour mes recherches. Donc j'étais un sociologue... Euh, Sociologue dans la journée et puis à la fin de l'après-midi j'allais à la salle de boxe mmh. et ensuite quand je revenais de l'entraînement j'écrivais mes notes pendant des heures mmh. euh, sur mon carnet sur mon carnet de terrain et j'ai c'était trois les trois plus belles années peut-être les trois plus, parmi les trois plus belles années de ma vie parce que justement j'avais cette espèce d'équilibre entre le travail intellectuel sont les années où j'ai écrit avec Pierre Bourdieu le livre que nous avons publié ensemble Invitation à la sociologie réflexive. Donc je faisais ça la nuit et le jour j'allais m'entraîner et mettre les gants euh, à la salle de Woodlawn. Donc mmh. c'était euh, un, un mélange assez étonnant. On voit bien hein, en vous lisant hein, dans les deux ouvrages que c'était euh, des belles années et en même temps, comme vous décrivez, vous ne le cachez pas, ce qu'on appelait tout à l'heure, ce que vous appeliez la face sombre de la boxe. Moi je me disais, cette face sombre, c'est aussi le fait que. Au final, si on résume les choses un peu crûment, euh, cet univers, le, le, disons les strates inférieures, et en fait c'est les strates majoritaires de la boxe professionnelle, mm -hmm. euh, c'est quand même, si je le dis cash, euh, des pauvres, souvent noirs, mm -hmm. <laughs> qui se tapent dessus euh, pour mm -hmm. divertir mm -hmm. et pour enrichir des, des, des riches, souvent mm -hmm. blancs, ou en tout cas des gens mm -hmm. plus aisés qu'eux, ouais. <laughs> sont… Les promoteurs, euh, ouais. notamment. quoi Et euh, je, je, voilà, je me disais ça en vous lisant, et c'est vers la fin du, du livre que je tombe sur cette euh, citation de Mohamed Ali, que je mm -hmm. vais lire parce que vraiment, mm -hmm. elle m'a pour le coup, elle m'a frappé comme un point au visage. Donc je, je, elle est un peu longue, mais je la lis quand même. C'est Mohamed Ali qui dit, c'est vrai que je n'ai jamais fait qu'une seule chose dans ma vie, combattre, mais il y a toujours eu une partie de moi qui se rebellait contre ça, peut-être parce que ceux qui en tirent profit ne pensent pas que les boxeurs sont intelligents. Il nous considère seulement comme les instruments d'un divertissement pour riches. Et puis il ajoute, j'ai toujours cette image cauchemardesque de deux grands esclaves noirs qui se battent jusqu'à mmh. s'annihiler l'un l'autre mmh. pendant que leur maître fume de gros cigares en criant et en nous exhortant, excités par le sang. Et bon, voilà, de, de voir un boxeur, pas n'importe lequel, mmh. enfin… Euh, qui a une conscience si aiguë mmh. euh, de l'exploitation raciale et capitaliste qu'il y a mmh. dans l'industrie de la boxe, face enfin, à quelque chose de, 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 de glaçant aussi. Euh. Oui, et les boxeurs ont une conscience aiguë, charnelle, oui. du fait qu'ils sont exploités. Ils utilisent trois, trois, trois idiomes pour euh, exprimer ça. D'abord, l'idiome de l'esclave, qui évidemment est a, une, qui est a une résonance particulière pour les boxeurs noirs américains. Le deuxième, c'est le langage de la prostitution. Et ils disent, bah, je suis une pute et mon manager ou mon promoteur, euh, c'est le, le, hein. le Mac qui, qui, qui ramasse l'argent. Et, et comme, comme les putes, tant que, tant que j'amène de l'argent, euh, mon Mac me, me protège. Et, et du jour où j'amène plus rien, il me, il me jette. Et le troisième, le troisième idiome, c'est l'élevage, l'élevage d'animaux, et, et notamment l'image la, la, de l'étalon. Beaucoup de boxeurs se sont appelés... Euh, 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 oui. Ont on pris on comme, comme euh, nom de ring nom de... Euh, les talons et donc ils ont ils ont une, une conscience très très aiguë de, de l'exploitation et et en même temps <laughs> parce que... euh, et en même temps euh, comment parce que c'est ça comment les deux moi c'est ce que tout euh, au long de la lecture je me dis mais comment les deux peuvent tenir enfin comment cette conscience aiguë de l'exploitation peut euh, s'accommoder d'un tel plaisir, enfin mais plaisir, c'est pas assez fort, du bonheur et de la transe en fait qui oui. sont ressentis. Mais vous l'exprimez vous-même, mais vous enquêtez, l'exprime comme vous vous l'avez vous fait au cours de l'entretien. Il y a, y a une transe en fait dans la pratique de ce sport. Comment peut-elle ne pas être gâchée en fait, sapée euh, par euh, la conscience de, de ce jeu et de cette, de cette industrie à laquelle on se plie euh... Alors il y a deux tels des esclaves oui. presque. Il y a deux éléments qui qui permet de, de, en quelque sorte d'être à la fois très conscient de l'exploitation et de l'accepter oui. d'une part il y a le fait que on se prend, on, on se prend littéralement en main soi-même on se fabrique soi-même on se transforme soi-même donc il y a, y, a, y a le sentiment d'être en quelque sorte un entrepreneur de soi-même mm. euh, et il y a la croyance que les autres sont exploités les autres sont détruits mm. mais moi je ah, serai oui. Celui qui échappera, moi je serai celui qui saura s'arrêter à temps, ah oui. moi je serai celui qui refusera les combats mmh. qui sont trop inégaux, etc. Et donc cette croyance qu'on sera l'exception qui confirme la règle mmh. fait que les boxeurs s'adonnent quand même à leur métier.

parler des relations plutôt de, de race et de classe. Je voudrais qu'on revienne, même si vous en avez déjà un peu parlé, mais sur la question de la masculinité. Vous mmh. dites la boxe c'est euh, l'exemplification de cette masculinité plébéienne qui met mmh. le corps au centre et le corps, le corps bon à la fois musclé bien sûr, et mais souffrant. aussi souffrant et mmh. agile aussi. Oui. Et euh, mais c'est oui c'est une masculinité parmi d'autres. Enfin c'est une masculinité plébéienne. Vous le dites bien. C'est pas celle de, des cadres. C'est et en même temps on le voit. Vous l'avez évoqué tout à l'heure un peu rapidement, mais c'est ça que j'aimerais qu'on déplie quand même un peu. C'est une masculinité, c'est terrible parce qu'en même temps, elle est prise dans une contradiction qui est que notre outil de travail et, et ce à quoi on tient le plus, c'est notre corps. Il y en a qui disent mes mains, c'est des bijoux. Mm -hmm. Et en même temps, c'est ce qu'on abîme au quotidien, ouais, en fait. Ouais. Enfin... C'est la grande contradiction. C'est la grande ouais. contradiction avec laquelle le boxeur doit vivre au jour le jour. C'est qu'il met en danger, il met en jeu, et donc en danger, et ils risquent de détruire cela même qui est la plus grande la, 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 la chose à laquelle ils il accordent le plus de la, le plus de valeur, c'est ce corps euh, habile, martial, euh, euh, préparé au combat. L'un d'eux, d'ailleurs, dit euh, et ils, ils ont cette ils ont cette conscience euh, très aiguë. C'est cette conscience là qui s'exprime par l'anxiété qu'ils ont dans les jours qui mènent et les heures qui mènent au combat. Mmh. Euh, et c'est cette conscience qui, est, qui, à un moment donné, leur fera euh, remiser les gants. Mmh, euh, est c est, c est... Mais remiser les gants et rester accroché, euh, continuer de venir à la salle. Euh, c'est très rare, les boxeurs qui se coupent entièrement mmh. euh, du milieu, la plupart euh, continuent de venir à la salle, continuent de venir au, au gala. Continue de, de, de goûter à cette sociabilité mmh. très particulière qui fait que les boxeurs d'un peu partout se, se comprennent les uns mmh. les autres. Les boxeurs de, de tous les pays du monde, oui. euh, euh, de classe moyenne ou de classe populaire, hommes ou femmes, qui sont passés par euh, la, la triptyque discipline, sacrifice et cœur, se comprennent les uns les autres et s'apprécient mmh. les uns les autres et, et ont le sentiment de faire partie de cette confraternité qui. Qui leur a donné un monde euh, plein de zeste, plein de plein de euh, qui, un monde qui est vibrant, un monde qui, qui fait que la vie vaut d'être vécue mmh. et qui fait qu'on s'échappe finalement à, à l'être social euh, banal euh, ou invisible ou euh, euh, qu'on était euh, et quelque part grâce à la boxe, surtout la boxe en compétition et notamment la boxe chez les professionnels. On est devenu, on s'est élevé au-dessus de cette condition, même si on n'a pas gagné euh, d'argent, on n'a pas, mm. on n'a pas, euh, on a voyagé, par exemple, un, un des grands attraits de la boxe professionnelle, est... qui est incompréhensible pour des gens de classe moyenne qui ont l'habitude de prendre l'avion, etc., c'est de sortir de son quartier et de, de prendre l'avion, d'aller, euh, d'aller dans un, euh, d'aller dans une autre ville, euh, alors encore plus aller à l'étranger, par exemple, euh, à chanter mon partenaire de sparring habituel, qui est mon frère de ring. À accepter un combat qu'il n'aurait pas dû prendre, qui était contre un combat beaucoup, contre un boxeur beaucoup plus fort que lui, mais c'était en Afrique du Sud. Mmh. Et pour lui, bah, voir. Euh, Aller là-bas. Bah, voir le, le, le continent mer, c'était euh, quelque chose qu'il ne pouvait pas refuser. Il y, y, y a le fait de, de, dans son milieu proche, dans son quartier, d'être regardé avec admiration par les gamins du quartier. Par mmh. exemple, Curtis, un des boxeurs de la salle, Dès qu'il sortait de son bâtiment, il avait toujours des gamins de 8 à 10 ans qui se battaient pour porter son sac jusqu'à sa voiture. Euh, C'est euh, avoir l'admiration d'aller de, de, à ces petits galas où il y a un public qui vient et qui, qui, vous, demande un, un, qui vous demande un autographe alors que vous êtes euh, un boxeur préliminaire dans des petits galas mineurs et que, vous, que votre carrière ne vous amène nulle part. Mmh. Et il y a quand même que vous, vous participez, à, vous avez un peu l'aura. Euh, il y a toujours une, 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 une étincelle de la gloire de, mmh. des grands champions qui rejaillit sur vous. Est-ce que d'ailleurs, on arrive vers la fin de cet entretien, mais je me rends compte qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé qui est important C'est bon, on a bien compris que le fait d'entrer de, voilà, de, 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 au gym et puis d'y aller comme ça de manière régulière, quitte éventuellement à passer pro, c'était rarement ce qu'allait vous apporter la richesse. Euh, mais par contre, est-ce que quand même ça. ça ça ne constitue pas une façon d'échapper à ce qu'on pourrait appeler les, les tentations de la rue. Voilà, on est ouais. dans un quartier ouais, avec beaucoup de délinquance, de ouais. petits trafics, etc. Et on a le sentiment, c'est ça, oui, que le, le, le gym c'est quand même un havre de paix, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un univers à part au sein... Ouais. Du ghetto et qui donne un oui un espèce de cadre en fait enfin euh, disciplinaire euh, ouais. sacrificiel moral qui, euh, bah, qui qui est une façon oui d'échapper à ce que euh, oui. à, à une forme de prédestination euh, sociale bah, le gym c'est la première chose qu'il est c'est un, un bouclier un bouclier ah, oui. contre les tentations et les dangers ouais, de la ouais, rue ouais. que ce soit euh, euh, la, la criminalité, que ce soit les gangs, que ce soit la drogue, que ce soit le sexe. Et donc en, en allant, en rentrant dans le gym, on se sépare et on se protège de ces mmh, de de destins funestes. Oui. Ça, c'est le, le, le premier élément. Et, et le gym est aussi un sanctuaire, mmh. un sanctuaire de ces valeurs masculines protégées. Mais il va réarticuler les valeurs masculines de la rue en leur donnant un but, des règles, euh, un cadre, euh, en leur donnant euh, un. En, en, en forçant les membres du gym à accepter ce qu'ils n'acceptent pas à l'extérieur, c'est l'autorité. Mmh. Dans la salle de boxe, on ne, on ne jure pas, on ne se comporte pas avec agressivité, on ne mmh. se bouscule pas les uns les autres, on ne manque pas de respect aux entraîneurs ou aux autres boxeurs. Si on a des comptes à régler, on met les gants et on le fait dans les règles de l'art, euh, avec un trois rounds, euh, sur, sur le ring. Donc c'est souvent ce que les gens de l'extérieur ne peuvent pas comprendre, c'est que. Euh, chaque heure, les, les, les entraîneurs, on avait l'habitude de dire, chaque heure qu'on passe à la salle, c'est une salle, c'est une heure qu'on ne passe pas à l'extérieur. Mmh, et un coach me dit, on était, j'étais dans une salle, il me montre un boxeur qui travaillait sur son sac et il me dit, tu vois, lui là, il est sur le sac, ben il n'est pas dehors à t'attendre avec un revolver, il est là, il sauve sa vie, il sauve ta vie et il sauve ma vie. Mmh, Donc fait... il, y a, il y a bien cet élément. Alors, je vous garantis absolument pas, ni à vous, ni à celles et ceux qui nous regardent, que je le ferai, mais je peux vous promettre qu'en vous lisant, à de nombreux moments, je me suis arrêté. Je me suis dit, il faut que j'aille sur Internet, il faut que j'aille chercher où est-ce qu'il y a un club pas loin de chez moi. J'ai envie de. Voilà, en vous lisant, je, je me disais, mais en fait, je veux ressentir par moi-même ce qu'il est en train de décrire. Ouais. J'ai envie d'expérimenter ça. Donc, ouais. euh, oui, je pense que sur ce troisième défi, vous l'avez relevé au la main. Et c'est vrai que c'est un objet, ce livre qui est un beau livre, enfin, dans tous les sens du terme, est un objet tout à fait singulier que. Voilà, que je recommande vivement et je vous remercie, ah, Loïc qui... Vacant, d'être venu nous rendre visite à série. C'est moi qui vous remercie de votre invitation.